Ok les amis, c'est Danny qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur All the Mod 3. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à faire les. À faire quelques petites choses, on va faire du Tinker construit. Tinker. Non, on va pas s'amuser à les faire ici. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui a été fait. Donc vous voyez que j'ai déjà plein de petits minerais, tout ça, je les ai récupérés en gros. Lors de mes excursions, j'ai voulu un petit peu avancer pour que aujourd'hui on puisse un peu avancer. Et j'ai un peu réfléchi de ce que j'avais envie de faire et en gros ce que j'avais. Je me suis dit ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une plateforme depuis cette zone ici et de faire un téléporteur pour monter et j'aimerais qu'on fasse une base. Hop, pardon, aérienne. Donc comme ça on aurait tout en hauteur, mais il faudra tout bien sûr tout protéger. Et pour ceci, en gros, ce qui est bien, c'est que j'ai 5 lignes de perles et j'allais faire de la laine pour qu'on puisse faire des élévateurs. Comme ça, on pourra monter et descendre facilement dans la zone. Alors, la prochaine chose qu'il nous faudra, c'est énormément de bois. Il nous faudra aussi pas mal de pierres qu'on va s'amuser à transformer. Mais pour avoir tout ça, il nous faut du tinker. Super important. Donc, là, on a déjà une partie. J'ai du sable ici que je vais récupérer. Je vais faire fondre pour qu'on puisse faire un élément de stockage déjà. Pour la lave, ça c'est super important. Hein, on veut un truc de stockage pour la lave. Alors, le stock. Alors, déjà, est-ce que j'ai pas de lave? Ouf. Nourriture, nourriture, nourriture. Est-ce que j'ai de la nourriture? Ouais, j'ai un de pain. C'est pas avec ça qu'on va aller très loin. On va déjà manger ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Rotten flèche. Comme j'ai ça. Ça me donne de la nourriture. Ça, c'est bien. Parfait. Alors, poc 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 poc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a notre verre qui est ici, ça c'est formidable. Je vais enlever ceci. Alors j'ai une chance sur deux. Nope. Nope. Alors, comme je suis une bille, comme je vous le rappelle que je suis vraiment une bille dans les éléments. Tinker, on va les voir. Où sont les éléments de fabrication de Tinker? Ici. 40. Où sont tous les blocs? Ici. Alors ça j'ai, ça j'ai. Ça j'ai pas. Alors, toc toc toc. Cire brique. Pourquoi? Ah oui, non. Je suis bête. Ça, c'est le truc pour vider. Voilà. Et c'est ça qu'il nous fallait. C'est. Hop. Ceci. Est-ce qu'il nous fallait encore autre chose? Oui, le contrôleur. Que j'ai pas. Et là, je crois que j'ai tout. J'ai. L'événement, j'ai le bloc que je peux descendre pour couler, l'élément pour mettre la lave. Écoutez, ça on va garder comme ceci le temps qu'on fabrique notre élément. Alors, on va se mettre par ici. Je vais détruire l'arbre. On va faire en premier lieu notre tinker ici. Ça, on va pouvoir le détruire. Tac, 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 tac. On devrait avoir la place normalement.
faire ce qu'on a à faire. Alors, on va faire notre élément Tinker. On va prendre ceci. Alors, on va faire la base de. Attendez, on va récupérer. Je vais creuser de 3. Non, non, en fait, on va pas creuser. Vous allez comprendre pourquoi. Tac. Je vais prendre ceci. On va faire un tour en bois. Tac, on va faire. Non, pas des torches. On va faire des coins en bois. En fait, on n'a pas besoin de remplir de briques sur les côtés. Ce n'est pas nécessaire, donc ne le faites pas. On va déjà faire un étage. Là. Ensuite, on va mettre. Logiquement, on va mettre ceci. On va mettre ceci avec ceci. Ça va nous permettre de monter d'un étage. C'est parfait. Mince. On va mettre ceci. Parfait. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Et il nous manquera encore un peu des éléments, mais c'est pas hyper, hyper grave. Et de plus, on va en enlever un. Je devrais avoir encore assez d'éléments dans les poches pour le faire. J'aimerais faire un autre verseur. Donc, c'est ceci. Et voilà, j'ai fait les choses trop vite, comme un bobet. C'est pas grave. Alors, bah vous savez quoi, on va dormir. Juste pour passer le jour. Parfait. Tac. Ici, je vais mettre ceci. Alors, on va changer. On va laisser comme ça, comme ça. Pour l'instant, on laissera comme ça. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer à faire nos éléments. Alors, première chose à faire. Bon, en gros, on pourrait les faire déjà assez rapidement. C'est ceci. Donc, j'ai fait aussi la forge. En métal, donc celle-ci pas compliquée à faire. Oh, je vais juste vous la montrer. Où est-ce qu'elle est? Elle est par ici. Donc tout ça, j'ai fait tout le forge. Voilà, vous faites une tool station et vous faites 4 blocs de fer, des éléments de cire brick dessus et c'est fait. Pourquoi? Parce que j'aimerais fabriquer ceci et ceci. Alors tout ça, on va les fabriquer déjà en pierre, en vulgaire pierre qui fera bien l'affaire. Est-ce que j'en ai une place encore? Non. Alors on va en récupérer un peu. Où est-ce que je vais la récupérer? On va la récupérer par ici. On va récupérer un peu de stone, de cobblestone, pardon. Très important. Mais vous verrez que on va commencer par faire le hammer. Première chose à faire, comme ça, si on a le hammer, on peut récupérer énormément de stone. Et une des choses qu'on fera assez rapidement va être aussi le portail de minage. Parce qu'on va pas essayer de, on va essayer d'éviter de détruire toute la planète qui se trouve ici. On ira détruire d'autres zones. Alors, il nous faudra ceci. Que je dise pas de bêtises. Où est-ce qu'il est notre. Il nous faudra ceci. Alors, on va juste regarder. Hammer, tête, ça et. Large plate et. Le tug toolboard.
Est-ce que c'est celle-là? Ou est-ce que c'est celle-ci? Voilà. Très important de prendre le bon élément. On va les se mettre ici. Vous mettez la plate ici. On va mettre la stone ici. Donc on récupère un. On récupère le bout. Et là, on va sortir deux plaques. On va se mettre ici dedans. On va faire ici. Tac, tac, tac. Et tac. Et là, nous avons un stone hammer. Alors, le stone hammer. Ah, bah, ils ont bien réduit les. La durabilité. Parce que là, c'est vraiment de la merde. Ok, alors on va tout garder. On va pas utiliser comme ça. On va changer de. On va changer d'objectif là. Alors, on va récupérer l'or. On va les faire fondre de l'or. Et l'or qu'on va faire fondre, on va. Hop. Et ouais, j'ai pas de lave. Quel bobet. Il faut vite que j'aille chercher de la lave. Alors attendez, je crois que j'ai un seau à une place. J'ai deux seaux, je vais le vider. On le videra en bas. Hop, 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 hop. Voilà, bah la MLG s'est loupée. Faut qu'on trouve de la lave. Où est-ce qu'on va trouver de la lave? Je me souviens plus si, quand on est descendu dans les mines, si on avait trouvé ou pas. Hop, je vais laisser l'eau ici. Faut qu'on trouve deux seaux de lave. Ça nous permettra de faire déjà pas mal d'avance. Alors, attendez. C'est pas qu'on va. On va tricher un peu. Mais c'est que par ici, il doit y avoir notre bonheur. Vu ce qu'il y a sur la petite carte. Après, on est juste peut-être pas à la bonne hauteur. Hein. C'est peut-être. Alors, tac, tac, tac. On est en dessous ou on est en dessus, hein. Mais je pense qu'on est plutôt. Ok, faut qu'on descende. Y a des choses très intéressantes. Alors, hop, on va remonter avec nos petits seaux de lave. Mettre juste une torche ici, comme ça sera bon. Alors maintenant, comment je remonte? Hop, ici. Je suis arrivé depuis là, donc là il y a mes trois torches pour me remonter qui me donnent la zone de remontée. Donc on va aller amener ça dans l'élément Tinker. On va aller faire fondre notre or. On va faire fondre, je sais pas quel matériau, faut que je regarde qu'est-ce qui est rentable. Est-ce que peut-être que le fer de faire un stone, non pas un stone hammer, un iron hammer sera plus productif. On verra. Au pire, il faudra qu'on rajoute des éléments de durabilité, des trucs de ce genre. Hein. Je crois que la durabilité, c'est des os, si je me trompe pas. Donc, on fera le nécessaire pour que ça avance. Ah ben bonjour. Oh, il ne pouvait pas dropper autre chose. Mais ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Il y a plein de trucs qu'on s'en fout là dans les poches. Puis pourquoi il la pop là?
J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est sûrement pas assez éclairé. Hop, on va bien éclairer comme ça. Posera pas de problème. Alors, on va mettre la lave dans ici dedans. Donc, on voit ici qu'on a les lingots de fer. On va déjà poser ceci et on fera couler le fer autour pour faire les plates pour qu'on puisse faire autre chose. Alors, on va juste regarder ici. Ici, il y a les hammers. Steel hammer, tritium, iron hammer, 500, stone hammer, 20, dark hammer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Red Hammer. Conductivity Hammer. Pulsering Hammer. Bon, il y a plein de choses qu'il faut qu'on garde, mais on va déjà essayer de faire les Obsidian Hammer. Même l'obsidienne, ça fait que dalle. Hein. Ça, c'est encore pas mal. On peut mettre trois modifiers dessus. Speed. C'est pas dégueulasse. Pig Iron. Bon, en gros, il faudra qu'on fasse des éléments un peu différents pour que ce soit vraiment rentable. Mais on va commencer déjà par faire les éléments en fer et on fera par la suite le reste. Alors, ici, on a notre gold. On va pouvoir faire ton couler. Ok, donc là, on aura déjà. Hop, je récupère. On a déjà un des templates. Donc celui-là, je peux le foutre loin. Ceci. Hop, on fait couler. Récupère-moi ça. Mais en fait, tous les templates, on peut les foutre loin. Même celui-ci, on peut déjà le foutre loin. Parfait. Donc on en a déjà deux. On met ceci. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous reste. Parfait. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire le hammer. J'ai du bois pour faire un coffre que je vais laisser en haut. 4. Hop. On va se coucher hein, pour dormir. J'avais tout ce qu'il fallait dans les poches. Comme un bobet. Hop, on va dormir juste pour éviter qu'on se fasse attaquer par des mobs tout d'un coup. Hein. Et on va laisser tout ça en haut. Tous les thèmes. Toutes les. Hop, hop, ça on va faire comme ça. Tac, tac. Parfait. On va aller voir qu'est-ce qui nous manque encore pour faire la pelle aussi. Parce qu'il nous faut une pelle. Pelle. Ok, ça on a, donc il nous faut juste le X. Nous faut celui-ci et il nous faut ceci. Parfait. Alors, on va prendre ceci. Non, ça on va acheter. On va juste prendre le X. Ça on va acheter et ceci. Parfait. On va aussi les passer avec du gold. Hein. On va refaire. Tac, tac. On prend ceci. Hop, on fait tomber. Parfait. Et celui-ci. Alors, je sais pas si. Non, il nous manque un de gold. C'est parfait. On va redescendre. Alors, tout ça, on va redéposer ici dedans. Alors ça, on va mettre à fondre. Touk touk touk, où est-ce que j'ai le métal? Ah par contre, j'ai pas énormément.
pas beaucoup de métal. C'est un peu embêtant. Bon, c'est un peu clair, j'ai tout utilisé pour faire ma tool station là. Mais c'est pas grave. On va déjà pouvoir. Je pense que on va pouvoir faire tous les outils. Tout ce qu'on a à faire va pouvoir être fait assez facilement. Hop. Alors, on va commencer par le hammer. Hein. C'est encore pas après. Alors nous, on va déjà commencer par préparer certains éléments pour faire la suite. On va prendre ceci, on va prendre ceci, et je vais vous montrer comment faire des téléporteurs qui sont très faciles à faire. Donc c'est les téléporteurs de Open Block. C'est juste de la laine avec une enderpearl autour et ça nous permet de monter ou de descendre. Donc vous faites juste un shift dessus quand vous voulez descendre et vous faites une barre espace contre le haut pour. Ouais, donc en fait il nous faudra bien plus de métal que ça. Ok. Bon, on va vite descendre, aller faire une petite session minage. On va essayer de se débarrasser au maximum des blocs qu'on a pour pas être encombré. On garde un peu de bois, ça on garde, c'est super important. Ça aussi, comme ça, je vais déjà me la faire. On aura une de secours. Salut Tam. Tamikama, salut, tu penses qu'il faut combien de RAM pour ce modpack? Et alors, pour ce modpack, par défaut, il demande ce qui est prévu par le jeu, c'est 3 Go de RAM. Donc ça va, c'est pas beaucoup. Après, si tu as plus, je te conseille de mettre plus, mais ce n'est pas une obligation. J'ai plus de bouffe. Augmenter ma voix. Oui, bien sûr. Est-ce que on. Est-ce que on. Attends, je vais déplacer un peu mon micro, me mettre un peu mieux. Peut-être que comme ça, on m'entendra un peu mieux. Si tu peux, je pense. Si peu, je pense au moins 5. Oui. Alors, moi, si je te conseille, je te conseille vraiment de mettre. D'en mettre 5. Après, ça dépend ce que tu fais à côté, en fait. Si tu joues et que tu as, je sais pas, Google Chrome qui est ouvert ou des éléments comme ça qui sont ouverts, fais attention, tu vas vite être embêté parce que les autres applications vont avoir de la peine à tourner si tu si tu consommes beaucoup à côté aussi. Ça dépend en fait la quantité que tu en as sur ton ordinateur. Alors, où est-ce que j'avais trouvé du. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. En tout cas, c'est un super modpack. Bon, là, je viens de commencer, mais super, super modpack. Alors, hop, on va récupérer. Il faut qu'on trouve du fer. Bon, là on récupère tout. Ah, j'ai pas récupéré mon eau. Comme un bobet, j'ai oublié de reprendre l'eau. Toujours prendre l'eau. Ça fait quoi? Ça fait rien, mais ça c'est considéré comme de l'eau. Parfait. C'est quoi le truc en bas à droite? Du stream ou bien
Wow, j'ai failli me péter la gueule dans le... En bas, c'est quoi? En bas à droite. Où il y a des noms, etc. C'est les personnes qui m'ont suivi, les dernières personnes qui m'ont suivi. Si c'est ce que tu penses. Parce que où en bas à droite. Putain, il n'y a pas de l'eau à une place qui traîne. Côté là. Après à gauche j'ai un truc, c'est les deux urades. Je sais que c'est de la radiation, mais alors quand est-ce que ça fait quelque chose? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a des zones qui seront qui sont plus radi où il y a de la radiation et je pourrais pas aller si je suis pas équipé, mais. Pour l'instant, c'est simplement pas grand-chose pour ici. Par contre, ça m'en... Attends, je vais faire ceci. Hop, on va réparer ça. Et je vais mettre juste mes torches, ça m'énerve de les avoir. Là-haut. Par contre, c'est pas malin parce que j'ai pas... Ouais, c'est pas grave. Que j'aille récupérer de l'eau, mais parce que là il y a du fer, il y a plein de fer et j'ai pas de quoi le ramasser en fait. Parce qu'il me faut impérativement de l'eau. Touc touc touc. On va essayer de remonter un peu dans les grottes. Je sais plus où j'étais passé. Normalement où il y a les torches. C'est que ça a déjà été récolté. Ah ouais. Je me souviens. C'est qu'il y avait un mineshaft. J'avais envie de le faire avec vous. Bon, ben on va droit s'attaquer à ça, quoi. Allez, récupère l'eau. Merci. Alors. Ah, super. Alors, on va juste peut-être pas mettre ces blocs-là. Ce serait un peu con. Là, on va couper l'eau. Oh, un petit minecart. On va torcher. Hein. Alors, qu'avons-nous dedans? Des torches. Ça, c'est formidable. Ça, c'est très bien. Le fer aussi. Bon, j'ai entendu des trucs arriver. Hop. On va essayer de torcher au maximum déjà. Pour pas que ça puisse spawn derrière nous. Ça c'est déjà une chose. Et on va essayer de récolter au maximum les ressources. Bon, honnêtement, le charbon on n'en a plus vraiment besoin. On en a beaucoup. J'en récupère encore un peu, comme ça si on a des torches à faire. On sait jamais. Ce sera bon. Bon, il y aurait les fils aussi à récupérer, aluminium, mais tout ça, ça, bon, ça on va laisser. Creeper de ce côté. On va d'abord s'attaquer de ce côté. Ça c'est fait. Ça ira aussi, hein. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui était derrière nous. Non, c'est tout bon. Alors, le fer, par contre, ça, je vais récupérer. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Là. Osmium, ça, on va récupérer parce que je sais qu'on en aura
besoin ra assez rapidement. On va être important de l'avoir. Alors, ici. Donc, je fais toujours la technique hein, des éléments, des torches à gauche pour me retrouver. Ok, ça j'ai. Hop. Ça je vais le prendre. Bon, je pense que je devrais avoir assez de fer normalement pour faire mon hammer. J'en ai combien? C'est au 24. Ouais, je devrais avoir plus de tracé. Je vais quand même torcher si jamais on repasse par ici. Quel enfoiré l'autre. Bon, il faut qu'on remonte parce que j'ai bientôt plus de vie en plus. On va juste récupérer encore le petit fer qui est là. On remonte. Je me demande si on peut pas faire fondre. Je vais récupérer les. Ah, j'ai encore la musique de Minecraft. Excusez-moi. Hop. Je vais récupérer les rails. Si jamais tout d'un coup je peux les faire fondre pour récupérer le fer, ça pourrait être intéressant. Alors, ici, on n'a rien d'intéressant. Il y a juste des cristaux là. Je vais récupérer encore quelques rails. Hop. Ok. Alors, vous savez quoi? On va remonter. Alors, hop. On va remonter. On va aller voir. C'était là. Hop. On va aller voir. Faire fondre notre fer. Une fois que le fer est fondu, on fait notre hammer. On va pouvoir récupérer de la pierre. Dès que la pierre était récupérée, on va pouvoir tout simplement. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Oui, la pierre. Une fois que la pierre c'est fait, on va pouvoir commencer de construire un peu la base. On ira un peu en hauteur. On fera les élévators, etc. Toc toc toc. Il faut vraiment que je bouffe puis qu'on se fasse une source de nourriture. J'en ai marre de ne pas pouvoir courir. Hop 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 hop. Alors, ça on peut mettre à cuire. Ça on peut mettre à cuire. Ça on peut mettre à cuire. Ça on va mettre là. On va dormir comme ça. Ce sera parfait. On aura les. Le jour qui sera passé. Alors, la question. Bon, je vais récupérer le dernier fer qu'on a là. J'ai 6 de fer. Ok, bon, on va déjà les mettre ça à cuire. Tout, tout, tout. Non mais toujours toujours quelque chose pour nous taper hein. Ok, alors ça c'est fait. Il nous faudra ceci pour faire le manche. Ok, il n'y a plus rien. On va tout mettre dedans. Je crois qu'on peut mettre directement les blocs hein. En fait j'aurais pu mettre les blocs de fer directement à cuire dedans. Je crois que ça aurait fonctionné aussi. Là, on va déjà en récupérer 5. Et je pense que même là, ça va être vraiment chaud d'avoir tout ce qu'il nous faut. Cost 8. Ouais, c'est 8 de matériel, donc c'est 8 lingots. Là, j'en ai 5. Non, j'aurai de quoi faire. Mais on aura juste le.
Donc le marteau, hein, on n'aura rien d'autre. Toc toc toc. Alors, vous savez quoi? On va commencer de faire déjà le ponton. Le ponton en bois, on va le faire avec du spruce. C'est ce qu'on a le plus, donc c'est le plus évident. Hop. Alors, on va se mettre. Et merde. Donc avec ça, on l'évite. Voilà. Parfait. Alors vas-y, ressort de là. Merci. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est ici. On va prendre par ici, hein. Comment on va faire ça? Touc. On va faire 3 d'espace. Là, est-ce que j'ai de la terre? Oui, j'ai de la terre. Parfait. Toc toc. On va faire un truc un peu de ce style. Et on va partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, on va déjà aller 15 plus loin. 'Fait déjà une partie. Ce qu'on va faire, c'est que faut qu'on trouve de la bouffe. Faut que je crois que j'ai encore des trucs de des pots de gélatine que je peux manger. Ça va être peut-être pas mal de le faire. Ouais, on a tout ce qu'il faut là. Qui sont vraiment ouf, mais je peux pas les utiliser encore parce que je risquerais de les casser, puis ce serait un peu dommage. Faudrait les réparer avant de les utiliser. Hein. Mais je crois que ça, c'est le pire bois. Je crois que ça fait un truc rose. Ah non, c'est pas mal comme type de bois. Ça, j'aime bien. Alors, on va faire des demi-dalles. Voilà. Parfait. Et on va faire juste un petit ponton, hein, en gros. Juste ici où on sera à la même hauteur, on va mettre des barrières. Je crois que c'est là qu'on va le faire. On verra. Là, on va mettre une barrière juste pour pas que les mobs puissent. Là, on fait des demi-dalles en dessous pour pas que les mobs spawnent. Ça nous évitera. Bon, on va torcher, mais ça nous évitera que les mobs sûrs à 100% spawn. Hop. Tac. Bon, là, ça va être aujourd'hui. On va vraiment faire début de la base et on va essayer de construire quelque chose qui soit assez sympa. Hein. Puis comme ça, on pourra directement tout mettre en haut comme j'aimerais le faire. Donc, c'est vraiment faire un. Comme un peu une base volante en fait directement en haut. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme élément de décoration, voir si on peut faire des trucs sympas, barrières, des trucs comme ça. Par contre, j'ai trop de trucs dans les poches. Hop, qu'est-ce que je peux mettre ça? Le fer, on va aller le mettre là-bas à cuire en attendant. Il faut faire 36 choses en même temps. Alors, hop, là on peut faire tomber ça.
Ça, je vais mettre là. Ça, on va laisser là. Alors, on va juste patienter que ce soit terminé. Ok, donc là, on a déjà ceci. Et il nous manque juste les plates, en fait, hein, les larges plates de. Hop, on va les faire fondre. On va déjà faire couler une fois. Je pense pas qu'on en aura assez. Donc il faudra de toute façon encore en faire refondre. On va voir si on a wood. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a comme décoration en wood. Est-ce que on a des barrières, des trucs qui sont assez jolis? En fait, c'est que dans tous les mods, il y a des trucs. Quand je fais des mods, j'ai déjà fait plein de mod packs, mais je sais jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, c'est toujours un peu à la découverte des nouvelles choses. Hein. Wood, wood, wood. Wood, 16. Alors, si on n'a pas. On va mettre autre chose. Comme nom. Des fences. On va voir si. Qu'est-ce qu'on a comme fence. Comme style de fence. Parce qu'on peut peut-être avoir des trucs assez sympas. Ok, bon, on a que les trucs de base. En gros. De Minecraft, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs qui soient vraiment spécial. On va juste encore au hack, juste voir qu'est-ce qu'on a. Bibliocraft, qu'est-ce qu'on a? Il me semble que c'était dans Bibliocraft qu'il y avait des trucs qui étaient sympas. Oak plank cover, large dark. Ah, ça c'est cool. C'est quoi ça? Oak. Ah, des trucs pour faire des maisons assez sympa. C'est cool ça. Oak table. Compressed stone. Ok, donc on peut faire de la compressed stone, c'est cool. Je vais juste voir ce qu'il y a dans Bibliocraft. Biblio. Merde. Voilà. Juste checker. Voir s'il n'y a pas des trucs. Non. Bon, bah on va faire les trucs de base. Ça ira aussi. On va le faire avec ces planches-là. Alors bon, j'ai une chance sur deux de faire juste. Alors si c'est pas comme ça, je sais jamais comment les faire ces fences. Hop. Ben, c'était juste. On avait fait juste. Hop. Comme ceci, avec le bon milieu. Sakura. Alors, on va chercher avec le nom, hein. Sakura. Ah, parce qu'il faut des sticks de Sakura. Mais c'est con. Alors, attends. Ok, ça veut dire que comme ça. Comme ceci. Ah, ça m'a coûté une blinde en plus. Hein. Ok. Bon. On va voir déjà ce que ça donne. Bah, attendez, il fait nuit donc. Autant profiter d'en faire un max. Alors, 16. 13. Hop. Hop. Merde. C'est comme ceci. Voilà. Parfait. Alors, dormir. En ressortant, on ira vite faire le hammer. Comme
ça, ce sera fait. On pourra faire la suite gentiment. Alors, touc. Ah, même là, en fait, il n'avait pas terminé. Super. En attendant, on va les poser déjà. Hop. Comme ça fera notre petit truc. Et ici, on va mettre trois. Faire un truc comme ceci. Il nous faudra des torches quand même. On va éclairer le chemin. Ah, peut-être qu'on peut faire des lanternes. On verra. Bon, pour l'instant, alors il nous faut déjà pas mal de bois. Qu'est-ce qu'on a comme bois que... Bon, ça je vais le prendre, ça je vais le prendre. Ah, il faudrait faire presque une ferme à bois là. Alors, une tac-tac. On va utiliser tout ça pour faire des sticks. Ceci, tac, on le récupère. Là, si je mets 2-2, c'est con parce que ça nous fait pas les quatre portes. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Est-ce que je peux les retransformer? Non, bien sûr, je peux pas. Par contre, ça, on pourrait en faire un. Tac. Ça pourra peut-être nous rendre utile. Iso, hop, tu ranges ça. Alors, il nous fallait encore une fence. Donc, c'est ça. On va mettre ça. Parfait. Tac, tac, tac. Ça nous fait notre dernière fence et on a du charbon, donc on peut se faire quelques torches, c'est parfait. On va aller récupérer la plaque qui a été faite. On va faire recouler la suivante. Je sais pas si on aura assez, je crois pas. Hop, on refait tomber un peu du matériel. Alors, ici, 1, 2, 3. Ah, il faut que je fasse les pressure plates encore. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre les torches. Une ici. Et on va faire toutes les 3. Allez. 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, et là, comme ça, on aura un élément. Parfait. Et comme ça, là, en fait, on sera en totale sécurité dans cette petite partie de notre future base. Donc, la base, il faut encore ici au milieu, normalement. Parfait. Ok. Alors, ouais, je les ai avec moi. Poc. Je réfléchis. Tac, si je fais 3 en avant, il me faudrait des escaliers en... en fait, le but maintenant, c'est de faire un endroit où on va pouvoir poser notre premier bloc pour faire notre élévateur, hein. Donc, super, on a les 8 marches. Comme ça, on fera le tour de l'élévateur. Ça fait, si j'ai pas celui du milieu, bah, ça fait les 8 escaliers, c'est parfait. Et est-ce que il y a des pressure plates qui existent avec ça? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on peut les faire que avec ça.
Putain, fous-moi le camp, ça. Voilà, comme ça on a nos trois pressure plates, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir les mettre devant les petits portails. Alors, est-ce qu'on peut faire couler? Oui, on va les faire déjà couler. Comme ça, on peut récupérer après notre élément. Alors, elles sont mes pressure plates ici. Voilà. Voilà, comme ça, quand on vient, ça ouvre, ça presse et automatiquement, ça va les refermer pour pas que les mobs puissent venir nous charger. Alors, ensuite, ah, mais en fait, j'ai ma table de crafting toujours avec moi et j'oublie tout le temps. Alors, on va juste remanger un peu la confiture. Alors, hop, 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 hop. On va refaire quelques petits éléments en bas. Alors, je vais faire 3, 1, 2, 3. Je vais en mettre une quatrième. Je vais prendre ceci. Alors, faut qu'on soit assez. Voilà. Parfait. Comme ça, on va pouvoir mettre nos petites dalles. Ouais, pas nos petites dalles, petits escaliers. Hop, on va les mettre tout autour. Fuck. Bon, faut juste que j'arrive à les récupérer. Yes. On va les mettre comme ça tout autour. Je déteste ces escaliers. Je suis mort. Oh! À demi-cœur. J'ai de la chatte. On a eu du cul. Alors, on remonte. Ça va, de toute façon, je suis pas en mode hardcore, hein, donc c'est pas grave. Je serai juste mort et je serai allé rechercher mon stuff. Hein. En plus, le pire, c'est que j'ai même pas un. J'ai un seau sur moi. Non, j'ai même pas un seau avec de l'eau pour faire une MLG si jamais. Quelle très bonne idée. Hein. Alors, une, deux, trois. Et on va faire trois partout ici. J'ai plus rien. Et j'ai vraiment. En plus, j'en ai plus du tout. Ah. Ça, c'est moins drôle. Où est-ce que je veux? Alors, est-ce qu'on peut faire notre petit hammer? Normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre petit hammer. C'est parfait. Alors, on va le fabriquer. Hop. Touc. On ne met pas les deux à la même place. Perfect. Et il a une durabilité de 580. Ce n'est pas beaucoup, mais vous voyez que pour construire, ça va être détruire, ça va être beaucoup plus rapide. En gros, attendez, je vais vous me faire une démonstration. On va le faire ici. En gros, je démonte 3 par 3 direct. Donc, c'est pas de la merde. Puis après, il y a des modificateurs, je sais plus ce que c'est. Si je me trompe pas, la Nether Quartz, on va juste voir. C'est pas ça qui. Non. Attendez, là j'ai 5-8 d'attaque. Non, ça c'est les attaques. Je sais plus qu'est-ce qui donne de la durabilité. Le slime. Non, le slime ball, non. Je crois que la durabilité, c'est les diamants. Ou c'est le lapis. Attendez, je sais. La vitesse, je sais que c'est la redstone. Non.
La piste donne Lucky, donc ça veut dire que quand vous détruisez les trucs, vous avez plus de chance. C'est comme si vous aviez fortune dessus. Donc, ok, donc là on a Lucky 16. Redstone, qu'est-ce qui nous donnait de la résistance? Je sais plus qu'est-ce qui nous donnait de la résistance, mais on va chercher et on va trouver sans trop de soucis. Hein. Alors, que je réfléchisse. Où est-ce que j'avais trouvé ce joli petit bois? Parce que je peux vous montrer, j'ai quand même parcouru. Ouais, merci. J'ai parcouru quand même un tout petit peu la map. Donc j'ai découvert quelques villages qui peuvent être très intéressants. Mais où est-ce que j'ai trouvé ce magnifique bois? Il faudrait que j'aille par ici pour le trouver sûrement. Mais si, il me semble que quand je suis allé, j'ai toujours gardé des pousses d'arbres. Un rubber sapling. Vous allez pas me dire que j'ai pas de rubber, spruce, maple, bullpine. C'est les seuls que j'ai pas récupéré de sapling en fait. Ah. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai découvert en fait des sels la dernière fois que j'ai un peu joué. J'ai découvert des sels, donc ça nous permettra de faire un peu de l'avance, pas que je mette 3 jours pour faire le tour de la map. Ça m'arrange un peu si on doit aller chercher des trucs. Alors, bon, tout ça on va déposer en attendant. Ici on a notre stone et on va monter pour aller poser les blocs de d'ascenseur. Comme ça, on va déjà pouvoir commencer de construire un peu la base. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On n'est pas du tout à 10. Attendez, on va faire autrement. J'ai plutôt regardé à la hauteur où je suis ici, donc je suis en. J'ai pas besoin de ça, c'est marqué ici, je suis en. Je suis en 92. Donc 93, ok. On va essayer de monter de 20. Donc 92 de 20, ça fait 112. Les 30, ça veut dire 32. Non, 22. Là, on est 22 blocs plus haut. Et le problème, c'est que il veut pas descendre. Alors. J'y ai pensé, j'ai bien pensé qu'il ne voudrait pas. Alors, et pourtant on est bien au-dessus, hein. Donc c'est juste qu'il lui faut un bloc au milieu. Donc, comme j'en ai deux, alors si je suis monté de 30, si je divise par 2, 30 divisé par 2 ça fait 15, 92 plus 15 ça fait 107, 108, 107. Et ça fonctionne toujours pas. Alors, on va faire tous les 10. Là, ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner?
Hop. Ou est-ce que... Est-ce que les blocs, le bloc doit être couvert? Ah mais j'ai rien pour, j'ai plus rien pour récupérer ma vie. Ah j'en ai marre déjà. J'ai pas de, moi j'ai vu qu'il y avait des cochons pas loin. Qu'est-ce qu'il y a qui me permette de récupérer de la bouffe? Touk touk touk. Là j'ai rien, là j'ai rien. Et là j'ai... Ah si, j'ai du poulet. On va prendre le poulet qu'on va mettre à cuire. Allez, cuit le poulet. Le poulet, on va le faire cuire. Ah. Ah si, en fait, je dois avoir le... C'est pas celui-ci. Non, mais je lisais bien. C'est quoi, on va pouvoir faire pousser. On pourra faire pousser le petit bois, le joli petit bois. Hop, on va récupérer un peu de la vie. On va éviter d'en perdre bêtement aussi. Serait pas plus mal. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit de monter avec ceci. Maintenant que là c'est bouché, toujours pas. Alors je vais supprimer ceci. Je vais le mettre quelques blocs en haut. En dessus, ouais, ça c'est bon. Ok. Donc, la question c'est combien de blocs je peux monter avec un élément. Alors, si j'enlève ceci, hop, que j'enlève ceci. Par contre, ça m'embête un peu, c'est-à-dire qu'on pourra pas, il faudra pas qu'on aille aussi haut, sinon je pourrais pas commencer tout de suite la base. Hein. Tac. Il faudra que j'aille aussi récupérer celui qui est tout là-haut. Alors, si je le mets à cette hauteur-là, bon, après le suivant est trop haut, on va aller le chercher. Je me laisserai tomber dans l'eau. Ah non, de toute façon, moi, je vais récupérer les blocs, donc je redescendrai. Ok, bon. On va regarder combien de blocs je suis monté avec le premier et on fera selon ça. Ce sera déjà pas mal. Bon, je sais que je peux encore en faire un de bloc au pire. J'aurais voulu garder une perle, mais... Alors, voilà, comment perdre de la vie pour rien du tout de nouveau. Moche, ce n'est pas grave. Alors, je suis monté de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis monté de 7 blocs. Donc, 1, 2. Je vais détruire celui-là. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, j'ai posé le bloc. On contrôle qu'on puisse bien monter et descendre. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Comme ça, là, on va pouvoir monter et on va pouvoir descendre de notre petit téléporteur. Et ici en haut, on va faire ben, de nouveau une petite zone. Et là, depuis là, on fera tout ce qui est notre base. Donc, pour faire un truc assez rapide. Bon, on va redescendre.
Là, on fera quelque chose pour qu'on puisse peut-être aller plus bas aussi, hein. Ça peut être une solution. Spruce wood. Spruce wood. J'en avais pas en... J'avais pas des saplings par hasard. Spruce sapling. Parfait. J'en aimerais bien pour faire les bords de mes éléments. Donc, on va en planter. J'espère que ça poussera par ici. Mais normalement, ça devrait le faire. Mude. De la boue. Bon. Bon, là, on a fait déjà un truc assez cool. Alors, toc toc toc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme comme élément? Bon, on va droit profiter de dormir. Pas que les mobs puissent spawn sur notre gueule. Ce serait bien d'éviter, hein. Alors. Est-ce qu'il y a des arbres qui ont poussé? J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas trop grave, hein. Alors. Tac, rubber. On a des éléments qui sont un peu bizarres, mais. Et on va utiliser ceci. Hop, on va prendre ceci. Tac. On va essayer de les faire pousser plus vite. Yes, on peut les faire pousser plus vite. Par contre, faudrait qu'on fasse une hache qui coupe rapidement les arbres. Ça, ce serait vraiment le truc ultime à faire. Ah, mais j'avais encore 64. Ah, puis personne ne me l'a dit, hein. Alors je vais refaire encore un peu des demi-dalles et on va aller s'occuper de terminer le bas de la plateforme. Et ce qu'on fera, c'est que pour la partie derrière, ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de sympathique. On va faire quelque chose en verre pour monter. Ce qui sera beaucoup plus joli. Ce que je pourrais faire aussi, c'est une petite baguette. Je ne sais pas si on peut les avoir, mais je sais qu'il existe des petites baguettes pour gagner du temps pour la pose des éléments. Ça peut peut-être être intéressant. Mais bon, on n'est pas très stressé non plus, hein. Alors, une, deux, trois. Comme ça. Là, il nous aura juste 7, donc j'en aurai pas assez. Ah, c'est pas grave, hop, on en refait vite. J'y pense jamais que j'ai une table de craft portatif. Donc, on me l'avait conseillé au tout début du modpack. Donc, salut Fireboss! Donc, hop, Oakwood. Mais c'est pas de l'Oakwood que j'ai ici, c'est du spruce. Je suis de nouveau en galère de bouffe. Mais c'est du spruce, ça, non? Ah, yes. Je vais bien et toi, j'espère que tu vas bien.
C'est bon, c'est le week-end. Enfin pouvoir profiter un peu pour jouer. C'est ça. Ah, les week-ends. Non, j'ai pas beaucoup de public, mais bah voilà, c'est un peu les débuts aussi, hein. J'ai que 52 followers, je crois. Donc, bah, ce n'est pas grave, hein. Tu sais, je cherche pas à ce que d'avoir beaucoup de public. Oh non! Eh ben. Ah. C'est ballot. Ça, c'est con un peu, hein, d'être privé de jeu. Bon. Après. Privé de jeu, mais autorisé à regarder des lives. C'est pas mal, ça. J'aime bien la punition pour faire envie, mais. Oh, je vais pas m'y arriver, je vais monter. Hop. J'aime bien la punition, être privé de jeu, mais tu peux regarder des lives, comme ça tu te fais bien envie, mais t'as pas le droit d'y jouer. Après, pour ce qui est du monde, toi, je m'en fiche un peu. C'est voilà, je fais plus pour kiffer là. Je fais mes petits trucs simples, tout tranquille. On se fait plaisir. J'ai commencé la semaine passée le mode pack, donc en plus je suis au tout début, j'ai pas mal de farming à faire, en tout cas pour le début. Donc j'ai essayé un peu d'alterner entre farming, décoration, un peu commencer un peu une base, quelque chose de sympa. J'ai farmé aussi pendant la semaine un petit peu à côté pour que comme ça aujourd'hui ça aille un peu plus vite. Toujours cool d'avoir deux à trois personnes qui regardent avec, qui discutent. Oui, c'est vrai. Ma foi. Mais souvent, une fois qu'il y a quelques personnes qui discutent, après ça vient, les gens restent beaucoup plus. Mais voilà. C'est vrai que c'est toujours plus cool que bah, comme là, depuis que t'es là, c'est super cool de pouvoir discuter avec toi. Non, 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 faut pas que je chante. J'ai failli faire une bêtise. J'ai des torches encore sur moi. Ouais, j'en ai encore. C'est quand la fin des vacances pour toi? Parce que bon, la fin des vacances, si c'est dans 6 semaines, ça va être long, hein. Alors, ben, c'est lundi la reprise. Ok. Ah ben, ça va alors. Bon, c'est chiant d'être privé pendant les vacances de jeux vidéo, c'est un peu chiant. Bon, ça va, lundi c'est la reprise, tu pourras recommencer de jouer, tu pourras reprofiter. Faudra surtout se concentrer à faire les devoirs. Hein? C'est ça en fait le pire, c'est que être privé de jeu, c'est une chose, mais c'est après, c'est quand tu reprends. Il faut rattraper tout le temps perdu. C'est là que tu joues encore plus. Ah, pas juste les vacances. Ah, c'est encore pire que ça. Ah, jusqu'à Noël. Oh, purée. Ah ouais, donc. Ok. Donc, je suppose que la punition est bien en rapport avec la bêtise qui a été faite, quoi. Donc. Ah bon. C'est comme ça. Ah, si t'arrives. Puis dans quelle matière tu dois avoir dans toutes les matières ou juste dans une matière précise où tu n'es pas bon que tu dois atteindre 15 de moyenne?
Techniquement, j'ai pas fait de bêtises. Ah ouais. Oh mais c'est une sacrée moyenne que tu dois atteindre quoi. Ah, faudra bien bosser quoi. Après, c'est pour ton bien aussi. Dis-toi que l'école, c'est quand même un peu ton avenir, donc c'est aussi important d'avoir des bonnes notes et puis pas que de jouer. C'est aussi bien. Spruce, c'est où qu'il y en a encore? Là, j'en ai encore. On va les récupérer. Il faut que je trouve de la bouffe aussi. C'est une catastrophe. Mais ça a commencé avec un 3 en histoire et un 0 en physique, donc je comprends. Mais 15, c'est dur au lycée. Ouais, effectivement. Ben, il fallait répéter les deux premiers tests, hein. Fallait répéter. Non, mais après, je te dirais, je suis le premier aussi à pas répéter. Bon là, quoique maintenant j'ai recommencé une nouvelle école, j'essaye un peu de suivre tout de suite parce que c'est vraiment vraiment aussi chaud. Mais c'est vrai que dans mes études précédentes, j'étais aussi le premier à rien faire. Pour te rassurer, j'ai pas fini avec des moyennes. Avec des moyennes de ouf quoi. Je me contentais juste de la limite pour dire à mes parents ça a passé et basta. Hein. Ah bah c'est dégueulasse ça. Ah, le prof a été vraiment salaud alors. Si t'aurais dû avoir 17 ou alors tu t'es complètement. Non, parce que même si tu t'étais foiré de répétition de. Ouais, c'est le prof qui est. Ouais, le prof. Ouais, ben. Bah. Je vois ça. Franchement. En fait, il a fait un. C'était. En gros, c'était un juste ou faux, quoi. Il n'y avait pas entre deux, quoi. C'est ça à peu près. Si tu fais trois calculs, t'en as un qui est faux, c'était tout était faux, je suppose. J'adore ces profs quand c'est comme ça. Ah, ça c'est des profs que j'ai horreur d'avoir. Les profs, ça peut pas être à moitié juste ou à peu près juste. Non, c'est ou juste ou faux, quoi. Il y a ces deux de poulet là. Qu'on fasse la chasse aux cochons ou la chasse aux poulets. En histoire, il y avait des dates, donc je comprends le 3, mais en fait que j'avais tout bien fait, mais le prof m'a dit, t'as pas bien rédigé, du coup 0. Ouais. Toi, moi j'ai un prof là de physique, en gros. C'est genre, t'oublies de mettre des unités de calcul, c'est faux. Tu peux avoir tout le calcul qui est juste, il n'y a pas l'unité à la fin, c'est faux. Putain, on est juste pour une unité, on va pas en mourir de cette unité, non? Tu m'enlèves un demi-point pour cette putain d'unité, je peux encore comprendre, mais pas les 5 points de l'exercice, quoi. Des fois où il y a des profs, hein. Faut pas les contredire et il faut faire ce qu'ils ont envie, bien faire, sinon tu te ramasses des super notes quoi. Bon, on va aller chercher le bois qu'il y a là-haut. Alors, touc touc touc. Ah ouais. Non, je suis pas belge, je suis suisse.
Bon, on n'a pas non plus les. C'est un peu spécial chez nous aussi, l'école, mais. Ah, belge. On me dit souvent que je suis belge, mais. Pas de soucis, hein. Où est-ce qu'il y a encore du bois? Ici. Donc voilà. Je crois qu'il y a tout qui se détruit. Non, là-bas il y a encore du bois. Il y a où? Là. Ah ouais, nous en Suisse on a aussi des trucs sympas. Hein. Ah. Ouais, mais vous, c'est pas hyper dur de rester. Donc après, lui ici. Ben, en gros, pour faire simple, chez nous, attends, faut pas que je dise de bêtises, hein. Chez nous, en gros, le lycée, pour nous, ça correspond à notre secondaire. Non, c'est pas vrai. Le lycée, pour vous, ça correspond chez nous à faire le gymnase. En gros, le Il me semblait que tu y avait un truc dur dans vos écoles supérieures. En gros, là, pour te dire ce que je suis en train de faire, attends, je vais te ressortir, je vais vite aller sur internet, je vais te ressortir, vais ressortir la feuille que j'avais trouvée pour les correspondances entre chez vous et chez nous. Diplôme. J'avais trouvé une image pour les équivalences pour un peu une fois m'informer. Donc là, moi, ce que je suis en train d'essayer de faire, une. Ça correspond chez vous à. Ça doit être quoi? Ça doit être une licence professionnelle. Bon, en gros, je suis à l'université, donc. Ouais. Nous, ben exactement, vous le lycée pour vous c'est entre 15 et 18 ans, chez nous ça représente en gros le gymnase, en fait on appelle ça le gymnase et le lycée, on a les deux choses. Et là j'ai fait une école supérieure, donc c'est pour vous c'est un BTS ou une licence pro, je sais pas exactement l'équivalence, et là je viens de commencer mon bachelor, en gros c'est une université en informatique. Donc là la physique je te dis pas. Ok. Ouais, je sais pas exactement exactement les termes, mais en gros c'est université dans les sciences, c'est dans l'application des sciences qu'ils appellent ça chez nous. En fait je fais en gros un bachelor, donc un bachelor en informatique, mais on fait que des sciences. La joie et la bonne humeur. J'ai horreur de ça en plus, mais bon, il faut faire avec. Une fois que ça sera passé quoi. Ouais, je pense que ça doit être un bac pro. Je sais pas exactement, mais faudrait que je demande, en fait, on a des personnes qui viennent de France dans la classe. Je sais pas, je pourrais leur poser la question exactement. Alors, toi t'es pas un grand fan de la physique, je suis pas un grand fan des maths par contre. C'est un peu ma hantise là. Encore la physique, c'est complètement con. Là, du genre, on a des trucs de maths où je ne pige rien du tout. Ou après, j'ai la physique qui est normalement une application des maths que je devrais connaître. En gros, je devrais appliquer les maths que j'ai vues pour utiliser la physique, mais je comprends rien là. Je comprends rien aux maths. Pour nous, un bac pro, c'est pareil que le lycée, sauf que tu peux bosser après. Alors là,
Parce que là tu me dis que c'est un bac pro. Non, alors moi je vois ici, bon, j'ai un petit plan, bac pro. C'est maturité, chez nous ça représente une maturité professionnelle. Et c'est pas du tout ça alors. Je te dis, hein, moi ce qui est marqué là sur mon truc pour l'équivalence de ce que je suis en train de faire, c'est vraiment une licence professionnelle en fait. Donc je sais pas si ça change beaucoup la chose entre la licence professionnelle. Mais c'est vraiment une école de supérieur. Hein. J'en chie comme je sais pas quoi, mais on fait avec. C'est vraiment la merde, mais là j'aurai bientôt les premiers examens aussi. Je me réjouis pas du tout. Dans un peu moins de 2 mois. Non, juste après Noël en fait. C'est pas vrai. Juste après Noël, j'ai les examens. Ça va être le top. Je me réjouis déjà. Bosse à fond ta physique. Ça te servira, tu verras. En gros, si tu veux, ça me fait. Bon, pour résumer, nous on finit à environ 16 ans l'école. Et là, j'ai fait maintenant, pour ce que je suis en train de faire, ça fera ma 4 ans, plus 2, ça fait 6. Quand j'aurai fini, j'aurai fait 9 ans d'études, en gros. Pour remettre dans le contexte un peu le temps que j'aurai passé à étudier. Hop là. Bon, high level, je te dirais, je sais pas encore comment je suis arrivé jusque-là, hein, entre nous. Ben, beaucoup. Je pense pas que ça fait beaucoup plus que vous, en fait, c'est ça le pire. C'est que vous finissez à 18 ans, mais vous pouvez aussi y arriver aussi vite que nous, à la même place, en fait. C'est ça. Je sais plus, j'avais discuté avec quelqu'un une fois sur le live. On avait discuté un peu de ça et on était parti sur le truc de médecine et tout. Et il m'avait dit, ouais, mais chez nous. C'est pas que vous avez moins d'années, c'est qu'en fait, nous, ce que vous faites jusqu'à 18 ans, nous, on le fait aussi avant, en fait. C'est tout. C'est-à-dire que. Quand vous finissez à. Qu'est-ce que tu m'avais dit, tant que je regarde la conve. Où est-ce que c'était? Voilà. Salut Dark Vune et salut Fireboss. Donc. Ouais, bah ça prend un peu des années d'études. Ça peut apprendre un peu des années d'études, mais après, bah voilà. Ce qui est toujours bien, c'est que après les études, si on y arrive, on est payé aussi en conséquence. Et ça fait toujours plaisir. Et on a aussi des postes qu'on a envie de. On peut avoir des postes. On peut aussi avoir à obtenir des postes qui nous intéressent, pas des postes où on n'a pas envie de travailler. Ça, c'est pas intéressant et. Ça sert. C'est bien, mais autant choisir un boulot dans lequel tu aimes travailler, quoi. Alors, hop, on va faire notre petit truc tranquille. Là, on va changer. Tac. Alors, celui-là, je vais le tourner pour que ce soit joli. Pourquoi là? Mais. Ouais, après, je sais pas exactement ce que ça vaut. Le truc que j'ai trouvé, attends, je vais peut-être regarder, il y en a peut-être un autre. Voir si j'arrive à trouver les équivalences.
Secondaire, terminale, collège, secondaire. Ah, c'est que chez nous, on a aussi tout le système scolaire a changé aussi. C'est le bordel. Merde, c'est pas le bon. C'est pas le bon bois. Putain, j'ai failli couper. Se faire tuer. Ok, bon. Après, j'ai commencé, hein. J'ai pas dit que j'allais terminer, hein. C'est encore autre chose, hein. C'est tellement complexe que je peux vous dire que je dirais plutôt que c'est un miracle si j'arrive à terminer, quoi. C'est pas ça que ça vaut. J'ai durabilité. Ah non, ça va. J'ai une bonne durabilité. Mais... Ah, j'ai cru que je pourrais faire un creeper qui un squelette qui tire une flèche dans un creeper. Dommage. Ah ouais, tu dois réussir tes concours pour combien? Pour continuer, non? Non, en gros. Ce que j'ai, c'est... Il n'y a pas de concours, par contre, on a des examens, en fait, tous les 6 mois que je dois passer. Si je loupe les examens, je suis automatiquement recalé pour... Ouais, je peux en faire quoi? À quoi ça va me servir? C'est surtout ça. Là, je suis en train de faire la base, là, pour l'instant. Préparer. Hop, ça c'est de l'XP, ça je sais. Je voulais aller couper les arbres. L'araignée, tu n'attaques pas, merci. Mais en tout cas, ouais. Comme on m'a toujours dit, je prêche la bonne parole de dire ah, les gars, bosser à l'école, mais j'étais le premier à qui ne foutait pas une, mais faites pas comme moi, vous allez le regretter. Si c'est pas de, tu peux créer un bouquin qui duplique les trucs genre les diamants, nether, star. Ok, bon. Bah c'est bien à savoir. Je sais pas si ça a été désactivé, il faudrait que je check. Mais sinon voilà. Tout cas, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je sais pas si j'en ai. Bah j'ai du diamant, ça oui. Ça j'ai du diamant, faudrait qu'on essaye. Ouais, faudrait qu'on regarde. Hop là. Bon, c'est surtout qu'à l'école, pensez à une chose. Dites-vous que si vous voulez faire si t'as envie de faire un métier, je sais pas, physique, machin, pensez à bien travailler dans les branches qui vous aideront pour la suite parce que y a toujours des gens qui font ah ouais, mais je veux faire traducteur de langue, mais l'anglais ils étaient jamais là quoi. J'ai des potes, ça a été ça. T'es là, bon, ben c'est bien, mais. Apprends l'anglais. Tu as le mode pour voir les crafts normales, fais contrôle pour l'activer. Alors, tac. Attends. Catalyzing. Oh, je vais se regarder. Là, je peux l'obtenir.
Je peux l'obtenir avec ça. Glow is one of the drop for crafting drop creeper and ghast. Ouais. Puis shift. Alors, tu as le mode pour voir les crafts normalement. Fais CTRL O pour activer. CTRL O. Attends, CTRL. Ouais, je l'ai. Bah, c'est ça, et puis ça. Puis quand je demande le craft. Enchanting just. Alors attends, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas à quoi ça ressemble. Bah, tu me diras si tu l'as vu passer ou pas. Tom. Perfect. Bon, est-ce que tu l'as vu ou pas du tout? Alors, ouais, j'en ai. Là, c'est le tome. Alors, attends, hop. C'est celui-ci. Bon, ben, il faudra. Ouais, mais bon, il faudra pas mal de choses. Bon. Le bouquin, c'est simple. Ça, j'en ai un. Slime perle, il faut tout ça pour le faire. Je pense pas que ça va être pour, ça va pas être pour ce soir, je pense. Hein. Honnêtement, ça va être assez short, je pense, si on essaie de le faire pour ce soir. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà un peu. Hop. En fait, chacun des trucs sont des drops rares de monstres. Ok. Comme pas. Ça m'aurait étonné du contraire que ce soit simple pour les obtenir. Hein. Si tu veux faire de la duplique. Là, ça fait quoi? Oh, je crois qu'on va laisser comme ça pour faire la. La zone pour avancer dans. Dans la base. Ok, bon. On va faire. Il y a un Enderman. Il y a Enderman, Slime, Magma Slime. Et tu peux recharger le tome avec de la. Je crois. Ok, bah. De toute façon, je vais. On va essayer, mais. Faudra qu'on essaye. Déjà que je les tue. Déjà, le Nether, faudra. Le slime, le magma slime, ça va être déjà short pour y aller. Parce que. Merci les trucs hardcore du Nether. Hein. Je trouve. J'ai juste planté un peu des arbres. C'est vrai que le Nether va être dur. Ouais, ça va vraiment être dur. Par contre, c'est possible d'avoir. On va tuer un peu des vaches. Non. Dites-moi, il n'y a pas moyen de faire de la bouffe facile? Parce que. Non. Merci Fireboss. Parce que putain, c'est un truc de fou, hein. La bouffe, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose à faire avec la bouffe. T'as tout le temps en train de courir. Ah, je devrais faire une ferme à poulet, en fait. Ce serait le plus rapide et puis le truc le plus utile. Il y a peut-être les pommes, sinon l'agriculture, ouais. Comme si on avait que ça à faire, quoi, de l'agriculture, quoi. Tiens, je me pose la question. Est-ce que ça, je sais jamais ce que ça donne, mais si je me trompe pas, ça va donner du cuir. Malheureusement, on va le laisser sécher. 3%, ouais, ça prend une chier de temps. Bon, on a deux petits steaks. On va y aller déjà avec les steaks.
Alors, regarde avec JE ce que tu peux faire le drying rack. Merde, j'ai écrit faux. Drying. Ouais, moi, tiens, après... Ah non, ça nous fait de la nourriture. C'est pas trop mal. Par contre, ça c'est encore mieux. C'est encore mieux que le cuir. La viande, faudrait la faire sécher, ça c'est encore mieux. Ah, je le ferai pour la prochaine bouffe. Là, on va essayer je vais essayer d'aller chercher un peu du bois. Ça, je vais laisser là. Je vais poser deux, trois petites choses là qui me servent à rien. Alors, les bleus. Là, redstone. Hop, on va déposer. Sinon, il y a le blé, c'est bien. XD. Ouais, non. Le blé, oui, c'est bien, mais non. Non. Non, c'est pas possible, le blé. On va pas faire une heure de farming pour ça. Alors, en plus, je sais plus, ouais, il y a ça. Faudrait faire du. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je fasse un peu de tout. Ça, le pire. Tiens, c'est quoi ces arbres? Ça m'intéresse. Ruber. Ouais, mais c'est. Non, je veux pas ça. Je les hack, normal. Voilà. Voilà. Je vais prendre ceci. Pour faire les barrières tout du haut, je vais faire avec celle-ci. Ça sera le plus simple. C'est ce qui va être le moins. Coûteux en plus, on a des chances de drop de pommes. Oh non, le blé, faut pas être fou, hein. Oh, j'ai une idée, tu peux pas faire des yaourts, un truc du genre avec du lait. Attends, on va checker. On va mettre juste le mot milk et avec le milk, on peut faire des milkshakes. Attends, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les gâteaux, on peut faire la milk jar. On peut faire une chier de choses. Il n'y a pas le. Comment ils disent le. Cookie. Le bol de cookie là. Qu'on peut peut-être faire. Fresh milk. T'as vu les. Moi, je l'ai pas vu. Non, il y a pas. Recherche. Ah ouais, peut-être yo. Ah. Bien joué. Comment on fait un yo?
Il faut un pot. Il faut que je fasse déjà le pot. Après, il me faut le lait. Puis si j'ai un comme ça, on met du. Ça peut peut-être être intéressant. Et on peut faire à la pomme. Bon, je pense qu'on peut faire à la pomme. Il y a Apple. Apple. Donc juste une bonne pomme, c'est 2. C'est pas vraiment plus nourrissant, hein. C'est juste que la régène est un peu plus grande. Le temps de. Non, le temps de. Un pot plus lait égale un seau de lait. Ouais. On va essayer ça après pour essayer de faire un peu du. Il nous faudrait des pommes, il faudrait. Fuck, tu peux rien. J'ai une pomme. T'en as à l'infini avec une seule vache. Mais est-ce que. Ouais, j'en ai. C'est pas faux, mais est-ce qu'on peut seulement le yaourt? Ouais, on peut le faire seulement, on peut le manger naturel en fait. T'as raison. Bon, en fait, il faut juste qu'on capture une vache, hein. On fera ça après, on va essayer de capturer la vache. Hop, et ça on peut le manger. En fait, on peut faire sécher aussi la viande de zombie. Ce qui est complètement con. Ah mince. Oh, coude. Tout seul, il nourrit à peine. Mais si t'as deux ou trois fruits, c'est nourrissant. Ouais, le problème, c'est que. J'ai qu'une pomme. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse des arbres. Faudrait qu'on trouve. Que je fasse quelque chose qui nous permette d'avoir régulièrement de la nourriture pour le mettre dedans. Je vais juste faire des fences. Tac, et je voulais juste voir si ça existait. Je sais plus, je crois que c'était comme ça qu'on la faisait. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oh, je sais plus comment elle s'appelle maintenant. Ce machin, tu peux pas. Tu peux peut-être crafter un pomme, trois pommes et un sapling. Alors, attends, sapling. Non, c'est quoi? C'est Apple. Apple. Tu cherches le one. One, peut-être. Purée, est-ce que t'es bon? Ah, ben on pouvait juste pas le faire avec le bois. J'avais complètement oublié ce punaise de nom. Merci beaucoup, Fire. On peut dire que là, t'es vraiment le boss. Alors, on était au sapling de Apple. Là, il y a l'Apple sapling. Orge. Mais ça le fait pas. Apple sapling. Non. Ça, on peut rien faire. Ouais. Ben, j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué pas mal. Ouais. Non, j'ai pas beaucoup joué en Skyblock. J'ai joué quelques fois en Skyblock, mais à le Apple Sapling, c'est un peu la merde là. Pineapple Seed, Apple Seed. Mais je crois que si j'ai ça.
Je peux faire pousser un arbre en fait. Faut que je fasse ça. Je crois que... Bon ben va falloir trouver un arbre à fruits du coup. Ouais, je pense que ça va être la solution la plus simple. Il faut qu'on chope un cheval en fait. Si on a un cheval, j'ai une armure, j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se déplacer rapidos parce que j'ai parcouru tout ça à pied. Non mais je te dis pas le temps que ça m'a pris hein. C'est un truc de fou quoi. J'ai cru que j'arriverais jamais au bout. Alors, on va juste poser des barrières pour éviter que les mobs puissent spawner ici. Hop. Ah, ça c'est tellement la vie. J'ai déjà plus rien. Mais c'est tellement la vie. Hop. Je sais pas où on pourrait trouver un cheval. On va aller. Faut que je fasse aussi des vitres. Oh le fucking lag. Faut qu'on aille. Je vais aller dormir là et on va aller. Je vais prendre ma selle. Je vais prendre mon. Je vais me vider les poches un peu. Je vais me faire une hache. Qu'est-ce que je me fais? Je me fais une hache de merde. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. On va se faire une petite hache en. Qu'est-ce qu'on a comme truc qu'on a beaucoup? Bon, on aura passé de la merde. Hop, je vais me faire avec ça. Normalement, on va juste. Avec le tin, je sais pas combien ça fait. Durabilité 150, c'est pas mal. On va prendre tout ce qu'il nous faut et on va partir aller chercher un cheval. J'ai déjà l'armure, j'ai déjà tout ce qu'il faut. On va aller chercher des saplings. Ok, dodo. Parfait. On part à l'aventure chercher un petit cheval. Vite fait comme ça. De toute façon, on devrait pas mettre trop de temps. J'en ai croisé pas mal des chevaux. Et si on voit de la bouffe. On récupère. Il y a des petits renards. Faudrait trouver des plaines, ça serait le top. On va essayer d'aller dans cette direction. On verra déjà bien ce que ça donne. Vache. Bon, on va pas aller très loin dans cette direction. À moins de traverser la mer. En plus, j'ai déjà looté tout ce qu'il y avait dans les. Sais pas qu'est-ce que ça a donné. Alors. Si ça, je les ramasse en fait. Est-ce que je peux les replanter? Parce qu'il me semble que avec ça, on peut. Je crois qu'avec ça, on doit pouvoir. On s'en fout si on peut laisser. Comme ça, on va tout récupérer parce que je pense qu'on va pouvoir faire des buissons et les réutiliser pour faire des belles plantations. Je pense que ça va être
Puis on va essayer d'en récupérer plusieurs types là, je crois. Là on a autre chose. Chandron. Tu penses pas que si je plante juste comme ça suffit? Non, ça donne. Pour moi, c'est juste. Voilà, je l'ai pris, on verra déjà bien. Pour moi, c'est. Tu sais, quand tu plantes ton buisson, au début, ça te fait un petit buisson, et plus il grandit, plus il va prendre de la place. Et t'as ce petit poteau, je pense, qui commence à apparaître. Quand il est assez grand, t'as. Oh, on verra déjà bien. J'aimerais juste trouver un cheval, ce serait juste trop cool. Surtout qu'on a tout ce qu'il nous faut. Bon, je sais pas où on va le trouver. On va revenir gentiment contre la maison là. Faut peut-être mettre. Ah, et une guêpe là. Ouais, une forêt bleue. Ça, j'ai vu que je crois que ça, on peut les utiliser aussi pour faire de la nourriture. Il y a où des chevaux là? Tiens, j'en ai croisé, j'en sais pas combien. L'autre jour, quand je faisais mon exploration, et maintenant, que puis plus rien quoi. Bon, c'est pas très très grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va revenir à la maison. La maison, elle est juste là-bas. Si je me trompe pas, je suis pas sûr à 100%. Ça, ouais, ça c'est quand il y a des trucs comme ça. J'espère que je l'ai récupéré celui-ci la dernière fois. Ouais, mais j'avais pas tout pris. Mystère folle. Voilà. Pas m'amuser à tout reprendre. J'ai déjà trop de chenilles. Alors. Non, c'était l'autre. Alors, il y a le blé, des fois, ce n'est pas bien à manger, c'est comme du blé, mais c'est mieux. Ok, bon, là, on va regarder. Mais là, je vais retourner à la maison. J'espérais tomber sur un cheval. J'espérais tomber sur un cheval encore, mais j'y crois pas trop. Je crois que le. Décider de pas. Ils ont dû tous despawn, je crois. Il est où l'autre point? Là-bas. Putain, je vais pas du tout dans la bonne direction en plus. Ah. Ah, ici, il y a des loups, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait des renards aussi, si jamais. Hop, 4. On va juste remonter. T'as aussi de remonter tout le temps sur cette montagne, ça consomme la bouffe pour rien. C'est un truc de fou. Alors, pas une vache par ici. Je crois que j'ai loupé l'entrée. Ouais, c'est ici. Alors, on va faire ceci.
En attendant. J'ai plus de... Bon, on va prendre ceci pour le faire. Je suis sûr qu'avec ça... non, on va peut-être pas faire ça, j'ai pas les structures. Alors ça c'est vraiment con, ils ont... On va utiliser ça. Il n'y a pas les... Là. Avec ça, on va faire ça. J'en ai peut-être fait un peu beaucoup, mais... Tac, 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 tac. Parfait. Comme ça, on fait tout sécher rapidos. Puis on essayera de faire du lait juste après. T'en as fait, bah tiens. Ouais, bah comme ça. Il faudrait qu'on creuse. Tac. 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 Merde, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ah bah comme ça. Là, et... ce que je peux faire, c'est prendre... Merde, je voulais pas le diamant. Là, 9. Tac, 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 tac. Voilà. Et comme ça va produire gentiment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça encore dehors. On va juste en mettre un. Alors on va en mettre deux. Soyons fous. On va voir si ça pousse. Peut-être que dessus. On verra. On va les laisser un petit peu tranquilles. On verra si ça pousse ou pas. Pas du tout. Tout cas, j'espère que ça pousse. Ah bah attends, j'ai de la bonne mille, peut-être qu'avec ça on arrive à les faire pousser plus vite. Ouais, tu vois. En gros, ça permet gaufrer du fresh milk en attendant. Genre, tu prends du lait et tu le transformes en fresh milk et tu recommences. On va essayer de faire ça. Attends, il faut juste que je fasse le pot, je crois. Milk. Est-ce que je suis obligé... Attends. Je crois pas qu'on est obligé de passer en... Je vais juste checker si on est obligé de passer par du... Non, tu vois, il nous faut juste le pot. Il faut juste le pot. Le pot, c'est quoi? C'est briques. Il nous faut juste des 4 briques. Je suis sûr que j'ai de quoi faire 4 briques à une place. Ce que je recherche dans mon chenil. Alors, 4 briques. Allez, hop. Ouais, mais... Mais ça sert à rien d'avoir du fresh milk. Ah ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. On va dormir, puis on va aller faire du fresh milk. Exactement, t'as tout compris. Y a rien qui est prêt ici. Ça je peux les bouffer. Pas mal, ça va vite, ça va assez vite à manger ça. Tu peux les stacker et réutiliser le seau en direct. Ouais. Alors il faut juste qu'on trouve une petite vache. Le zombie, ça va, je peux t'aider. Alors, petite vache.
Voilà, si je les avais pas toutes tuées, hein, tu vas me dire. Une grenouille? Non, ça fonctionne pas les grenouilles. C'est quoi ce truc là en bas? Ce serait pas un arbre. Mango. Comme ça, c'est un arbre à fruits. Si jamais, faut juste retenir où il est. Ouais, je vais en faire plusieurs stacks. Il faut juste qu'on chope une vache. Là, il y a une petite mine très intéressante. Des poulets à vache, c'est bon. J'ai trouvé. Comme ça. Alors, j'aurais dû prendre deux seaux. C'était plus rapide. Alors, on va en faire quelques. En fait, il faudrait juste en prendre une et l'avoir à la maison. Ce serait beaucoup plus rapide. Si j'en fais deux stacks, je pense qu'on est déjà pas mal. Ça, je peux pas le boire, ça changera rien. Bah, c'est abusé quand même. Juste un petit saut dans une table de craft, ça fait du fresh milk, ça double, ça quadruple la quantité. Pas trop mal ça. J'aime bien la vache, j'ai l'impression qu'elle me regarde de tout le monde, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Elle me casse les couilles. Elle me traira comme. Comme je sais pas quoi. Alors. Ah merde, hop, changer ça, voilà. Bouge pas la vache, c'est très bien. Alors, il y a du blé où tu viens au vent. Ouais. Alors, attends. Tac. Je vais finir déjà ça. J'ai pas regardé, il n'y a pas de date de péremption sur les yaourts quand même, j'espère. Ça serait quand même la combe là. On sait jamais hein. Une petite date de péremption là. Hop. Je sais pas si je crois qu'il y a des modes qui le font où t'as des la nourriture a un cycle de vie en fait. C'est une horreur. Oh, pire. Oh, s'il est vert, moi je le mange pas hein. Bon, on va remonter. Déjà fait deux stacks. Alors. On a de la bouffe qui est prête. Alors, déjà entendu une witch. Une witch, pardon. Alors attends, j'ai pas regardé, il y a du barley. Ouais, ça y a. Mais comment on le fait? Faut que je fasse, faut que je récupère du. On essaiera de les faire. On va juste faire des.
te dis, le bralette, c'est une herbe à peau blanc, blanc jaune. Ouais, bah c'est celle-là, non? Ouais, mais ça va vite. Si tu veux, si tu veux qu'on en fasse, ça va super vite, hein. Regarde, tac. Faut juste niquer. Oh la conne, elle a rien donné. Oh la conne. Attends, on va choper des graines. Oh putain, j'en ai même pas chopé une. Attends, on va se débarrasser de toute la merde. Ouais, tu sais, c'est les trucs normalement, tu sais, quand t'es en vanilla, tu chopes tout partout. Hein, puis là, tu dois en choper une quoi. Oh, c'est le foutage de gueule ou bien? Merde, j'ai cassé un truc qui voulait pas. J'aurais dû récupérer ce que j'avais dans les villages. Aïe. Je pense qu'il va pas réussir à aller. Là, laisse-moi remonter. J'ai toujours zéro graine, hein, pour dire. C'est pas que c'est de la mauvaise foi, mais j'ai un peu l'impression quoi. Le jeu a un peu décidé de me dire non. Bon, tu dis que c'est jaune. Est-ce que j'en ai croisé déjà, surtout? C'est plutôt la question. Est-ce que ce serait pas ça? Non, ce n'est pas ça. Oui, un tout petit peu. Ah, ça, je suis sûr que c'est ça. Hé hé! J'ai trouvé, j'ai trouvé. Hop, on va récupérer ça. Et là, ça donne des bonnes graines. Ça, on va quand même le récupérer. C'en est un, mais ça fera quand même toujours ça de plus. Bon, mais bon, ce qui est bien, c'est que on n'a pas besoin d'eau, c'est ça? On n'a pas besoin d'eau à côté pour que ils poussent, puisqu'ils étaient au milieu de la nature sans rien. On va checker. S'il te faut de l'eau, je crois. Attends, on va essayer. Ah ouais, mais merde, attends. Il me faut une houe. Merde, attends, il faut que j'aille dans la... J'oublie toujours où est l'entrée, quoi. Attends, bon, je vais faire une houe de merde. Puis on va essayer, hein, de toute façon. Au pire, je les mettrai à côté de l'eau, hein. Ce que tu peux faire, c'est retourner la terre, planter, puis c'est bon. Attends. Tout ce que tu peux faire, c'est retourner la terre. Je vais juste mettre à côté de l'eau pour être sûr. On en mettra un à l'extérieur, voir si il pousse. De toute façon, j'ai 19, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
14-15. Ou... Ouais, mais comme ça je peux planter. Hop, voilà. Mais je les laisse pousser là, non? Non, mais tu utilises la ou XD, l'eau. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ça revienne pas de la terre. Juste en mettre un super loin. Moi, ce que je veux, c'est juste de la bouffe. Oh ouais, c'est tout bon. Puis avec ça, on peut faire du pain. C'est quoi? Barley. Hop. Non, c'est quand même. Il en faut quand même trois pour faire du pain. Mais est-ce que le. Attends. Ça, j'ai pas regardé et c'est toujours con. Le pain, est-ce que je peux en faire des toasts? Du pain de toast. Fait, je vais regarder directement. Toast. Oh ouais. Toast. Ah, tu dis que c'est l'autre pain? Bread. Mais même, c'est quand même. Toujours 3 de. 3 de chaque en fait. Parce que tu m'avais pas dit qu'il y avait un bradley, un de ces barley, ça faisait un. On s'en fout des graines. Hein. T'inquiète, à la fin on automatise. Ouais. Alors attends. Avec ça. Et la poudre, tu peux la cuire. Alors ça, la poudre, la poudre. D'accord. Autant pour moi. Donc ça et ça, tu la mets dans un four, si possible vide. J'ai de la terracotta là-dedans. Ah merde. C'était pour faire les trucs, ouais. Mais... Ah. Attends, ça j'en ai. Ça je dois en avoir. Je sais pas où je les ai foutus. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est où? C'est pas ça. Ah. C'est bon. Ouais, j'ai fait cuire des blocs de clé, c'est pas grave. Eh ouais, il fallait pas cuire les blocs de clé, il fallait juste prendre un bloc de clé, le détruire. Faire cuire que ça. Hop. Hop, je vais mettre ça là. Eh ouais, j'ai fait de la merde. C'est pas grave. Oh, on s'en fout, hein. Hop, juste dormir comme ça, on est le jour, ça sera parfait. Bon, hop, là on a les trois. Je vais faire mes petits yogourts là. Hop, ça et ça. Ça, et en gros, il suffit qu'on fasse ça. C'est pas beau. Si c'est pas beau. Et si je fais ça avec ceci.
Ça n'a pas l'air de fonctionner. On ne peut pas faire ça encore. Va voir ça abuser. En gros, si je mets encore du cuir, mec, je peux encore faire x4 sur le nombre de pots. Parce que c'est totalement abusé. Bon, en gros, des yogourts, mec, t'en as un infini, quoi. Par contre, si je prends une pomme, je fais ceci avec ceci, ça nous fait un petit yogourt à la pomme. Parce que si je peux les manger comme ça. Ouais, faut juste pas viser un coffre, mais je peux le bouffer. Mon modpack, tu peux utiliser une fiche milk et un yogourt pendant tes heures. Ouais, en gros, t'en as fini quoi. Bon, c'est toujours bien. Je vais garder juste un tout petit peu de nourriture. Il faudrait que j'avance sur la base là pour qu'on puisse faire une salle, un truc avec des coffres un peu mieux. Est-ce que j'ai toujours la hache? Oui, j'ai toujours ma hache sur moi. Il faudrait que je fasse une hache de shittinker, ce serait beaucoup mieux. Sauf que ça coûte une blinde. C'est quoi cette arnaque de faire des paliers de... Trop dommage qu'il n'y ait pas ce mode hors excavation pour gagner du temps là sur la découpe des arbres. Ouais, il faudrait que je fasse le truc de Tinker, mais bon. Vu déjà le prix que ça m'a coûté pour faire juste le hammer, une bonne vieille piole hache en bois suffira, je crois. Alors là. Ça. Sur les trucs Tinker, je sais pas si tu connais un peu les trucs Tinker. C'est quoi déjà qui permet de renforcer les trucs? Je cherchais avant ce qui permettait de renforcer mon hammer, mais je sais plus du tout. Encore un bois. On va monter dans l'arbre. Je crois qu'il est tout détruit. On va redescendre. Oh, parfait. Ouais, exactement, plus solide. Je sais qu'il faudrait faire avec des trucs spéciaux là que tu peux faire quoi avec des os ou je sais plus quoi. Alors, faudrait que je regarde de nouveau comment on fait tout ça, mais. Ah, si t'as une idée. C'est quoi ce bordel? Il reste des blocs. Cassé. Bon, c'est pas très grave. Bon, il va rester encore un bloc là aussi. Il y a les plaques d'Opsy qui rajoutent renforcé de c'est comme un breaking. Ah ouais, c'est vrai, c'est qu'il faut. Il faudra que je regarde.
Ah ouais, ça je sais que la redstone ça permet de casser plus vite, mais... Alors, hop. Alors, je vais les garder comme ça. On va monter, on va les faire. Faudrait que j'aille chercher du sable aussi. Que je regarde, il n'y a pas des plaques. Que je regarde s'il n'existe pas des plaques de contrôle, mais qui sont des. Qui activent pas par les mobs. T'as cassé mon truc. Mais fais-toi une hache en fer. Ça améliore celle de. Ouais, mais. Attends, c'est quoi? Axe. Si tu regardes l'axe, celle-ci, elle a 250. Puis si je fais Tinker. Regardez combien elles ont. Tinker. Alors, combien elles ont les haches de Tinker? Bon, ça, c'est sûr que ça sera plus résistant. Bon, il faudrait faire celle-ci en fait. Ça serait le top. Ça permet de tout niquer. Durabilité. Ah, mais c'est en Invar ça. C'est pas en fer. Allez, où c'est l'enfer? J'aimerais celle-là. Dragon Bone. Ouais, ben, bien sûr. Iron. Voilà. 552. Mais 552, c'est quand même mieux. Par contre, ça consomme quand même beaucoup plus de fer. Hein. Après, la réparation, je sais pas si on est gagnant. Parce qu'il n'y a pas. Je regarde, je check juste, mais je crois pas qu'il y a de pas d'autres fer, d'autres éléments de fer, donc ah bah je suis con parce que faut que je j'oublie pas. En hiver, c'est pas dur à faire, je crois. Ouais, il faudrait juste hop. On va regarder qu'est-ce qu'il nous faut pour faire de l'hiver. Il faut juste tuer sûrement du. Certains mobs qui donnent de l'Invar. Si on regarde vite, Invar, Invar. Ah si, l'Invar. Ouais, je crois que je sais comment on le faisait l'Invar. Invar Blend. Il faut juste du nickel et de l'iron. Iron, nickel. Et tout ça, en fait, j'ai. Il suffit que. Obtenir ça, il faut juste ceci. Ça, c'est simple à avoir. C'est quoi? Il faut juste un bloc. Non, ça, c'est franchement assez simple à faire en fait. T'es pas obligé de faire. Ouais, je suis pas obligé de faire tout en fer. Ça, je suis ok, mais par contre, t'as meilleur temps parce que. Ça permet d'avoir une meilleure résistance de tout l'objet. En tout cas, si je dis pas de bêtises, hein, parce que. Après, je sais qu'il faut. Il faut regarder. Par exemple, certaines choses, t'as meilleur temps de les faire en obsidienne. Il y a d'autres. Je trouve c'est pas que c'est compliqué, c'est que j'oublie toujours les trucs pour faire. Pour que ce soit vraiment efficace les trucs. Mais après c'est pas super super grave hein. Ok, bon. Tac. Invar, c'est deux iron et un nickel. Et le nickel, je crois que c'est pas trop rare. Non, le nickel, je crois que j'en ai. J'en ai plein.
Je dois en avoir plein en plus, c'est ça le pire. Donc, je pourrais le faire assez vite en fait. Alors, je vais regarder nickel. Nickel, je crois que c'est ceci. Ouais, nickel, j'en ai là. J'en ai quoi? J'en ai 6. Puis je peux en chercher facilement en bas. Non, tu peux faire tête en fer, bâton en obsidienne. Et s'il faut une croix, c'est bien celle en bois. Non, mais. Ah, il faudrait. Peut-être en faire. Bah écoute, on va essayer, hein. Attends, faut que je fasse juste ceci. La hache. Si je fais la hache, c'est ça. Je crois que je l'ai pas encore faite. Je crois qu'il me faudra de l'or. Là, j'ai déjà les plaques, la croix. Ça, je l'achèterai après. Là, je crois que j'ai seulement du fer. On va aller chercher un peu de gold. Je crois que 4, ça doit suffire normalement pour faire la plaque. Je crois que c'est 2. Je suis pas sûr à 100% que ce soit 2, mais. De toute façon, on va déjà bien réutiliser tout ça, hein. Mieux vaut faire l'autre. Celle-ci, la hachette, non, hachette, ouais, la hachette. Parce que l'autre, elle est pas mieux de faire ça, la lumber axe, pour couper directement les arbres en entier. Ouais, mais bon, la lumber axe, elle est pas mal quand tu dois couper des arbres, t'es quitte de. Tu coupes un élément, il y a tout qui pète. Oh, au pire, je ferai les deux, hein, on s'en fout. Ça va vite. Bah, c'est pas que je manque de ressources, hein, en plus. Comme ça sera déjà fait, et on va faire l'autre aussi. De toute façon, ça va être cher dans les deux cas, et dans les deux cas, il faudra que j'aille farmer comme un cochon de nouveau du fer parce que j'en ai plus. Donc, dans tous les cas, que ce soit un ou l'autre, ça va être cher.
Ouais, j'aurai déjà les deux patterns. Comme ça sera fait déjà. Puis on va déjà faire la, on va déjà faire celle-ci par défaut. Donc tu m'avais dit quoi, la tête en... Si tu fais la grosse, fais la tête en invar et tu le reste en obsidienne, je pense. Ouais, je vais... Non, mais je vais faire d'abord l'autre. Je vais faire celle que tu m'as dit et on... je ferai plus tard l'autre. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'aimerais... En haut, j'aimerais faire le... J'aimerais essayer de faire ça encore si j'ai le temps ce soir. Faut juste que je le trouve. Non, tranquille, il suffit que tu mettes 3 nickels dans la fonderie et tu auras assez, je crois. Putain, quand tu sais plus le nom des modes et que tu dois faire la... tu dois te taper la recherche à la main, c'est super ouf. C'est le bonheur. Le petit couffo là. Ouais, de faire la tête en fer. Hein. Attends, je dois faire cuire. De toute façon, c'est du fer. Hop. Et le bâton en obsidienne. Oh. Ouais, faut que j'aille chercher ça alors. Mais faut que je me fasse une pioche en diams par contre. J'ai pas de pioche en diams encore. On fera ça et on ira vite en bas. Et on va remonter avec de la lave, pas j'en ai bientôt plus. Putain, il est où ce putain de bloc de merde? Aussi faire ça en fait. On pourrait faire de l'agriculture et puis choper les trucs avec l'agriculture. Pour l'opti, tu peux clic droit avec un saut. C'est quoi déjà le nom de ce fucking putain de mode? J'ai pété un plomb. Tormaning. Alors attends, on va vite aller chercher un truc. Minecraft. En fait, t'as pas sur le petit truc. Ce qui dépasse, mais le bloc où il est posé. Alors bon, ça on a la tête, tu m'as dit que c'était... Attends, faut que je reprenne vite. La tête, le bâton, bah, si tu as le bâton, faut le faire en... Le bâton en obsidienne, le petit nous faut la tête en fer, le bâton en obsidienne. Je cherche un mode qui permet de faire du minage dans un autre monde. Je sais plus comment il s'appelle. Ça va me revenir. C'est quoi, c'est Realcraft, je crois. Ouais, je vais essayer Real. Non, c'est pas Realcraft. Dimensionnel.
C'est pas ça non plus. Putain, je l'ai devant le nez, hein, le. Ah, putain, Arona, merci. Aro. Aro. Oui, mais. J'ai peur de qui soit pas actif. Bah si, c'est actif. Bon, il faut juste que je fasse ça en fait. Comme ça, après, moi, je pourrais éliminer dans ce monde comme un bourrin. Puis ça, c'est quoi? Juste de la stone. Rien de complexe. T'as fait déjà de nouveau nuit. Donc attends, j'ai vu qu'il m'avait écrit pour l'opsy. L'opsy, tu peux cliquer droit avec un seau sur le bloc où le liquide sort et ça met l'eau et la lave dans la fonderie. Ouais. Je vais faire une pioche en diam. Parce que. Le problème c'est que la lave j'en ai pas à côté, puis ça va être la merde pour aller la chercher, la remonter. Si je dois le faire à chaque fois, ça va être emmerdant. Je préfère, on se fait une pioche en diam, on prendra un tout petit peu de psy. De toute façon c'est pas grave, hein. C'est pas avec la pioche en diam qu'on va vraiment perdre grand chose. Par contre putain, qu'est-ce qu'on en traîne de la merde partout. C'est quoi toute merde? Ça, je vais laisser par ici. Ça, je vais prendre l'eau. Ça, je vais prendre. Vas-y, viens là, ça. Ça, je vais le bouffer comme ça. Ça prendra moins de place. Parfait. Alors, hop, on va descendre, on va aller. Tac. Aïe. Je vais faire le tour. Je vais prendre ceci. Comme ça, j'aurai deux sauts. Hop. Là on va descendre, on va aller en bas. Oh, ça va vite aller. Hop, ici à gauche et on va aller tout au fond et on aura notre. On aura notre lave. Tac. Précaution, on met de l'eau ici. De plus, on met une. Torche. Ah, j'en prends. Il en faut combien de psy? Si j'en prends 9, ça devrait suffire, non? Ice Bucket Challenge terminé. On pourrait faire plein de choses, mais alors, 1 pour la petite hache et au moins 14 pour la grosse.
Ok, bah on va devoir prendre les 14. Hein. Bah j'en prends. J'en ai quoi? J'en ai 8. Oh. De toute façon, on n'est pas vraiment à ça près, quoi. Bon, la petite H1, ok. Ouais, je préfère en avoir trop que pas assez, parce que de toute façon. C'est pour que je vienne en rechercher dans 5 minutes, ça sert à rien. Si on est là, on mine les trucs tranquillou, puis c'est bon. J'en prends 15. Quoique, je suis en train de me dire 15 et j'aurai encore la pelle aussi à faire. Ce serait pas mal de faire aussi une pelle. Ah, j'en prends 20, comme ça ce sera bon. Allez, encore 4 et puis après on remonte. Avec deux sauts de lave en plus. Faudrait que je fasse un générateur de lave aussi. Il faudrait faire. Ah, toujours plein de choses. Voilà, c'est le début, c'est normal. Je pense que c'est pour ça que c'est chiant. Le début, c'est bien, il y a beaucoup de choses à faire, mais il me semble que c'est super. C'est toujours super lent. Encore un, puis après on arrête. Le deuxième seau d'eau. Ok. Tac. Je vais prendre ceci. Voilà. Tu veux une pelle 3x2 ou la pelle normale? Bah, je pense que si je fais la 3x3, ça va me recoûter 14 de. 14 de psy, je pense. Non, je pense que je vais faire la normale. Je crois que j'ai loupé la montée. Ah, elle est pas là la montée, elle est juste là. Si je fais déjà la normale, ça sera déjà pas mal. De toute façon, je dirais la pelle, on l'utilise pas plus que ça, à part pour le sable. Mais voilà, 3x3, elle est bien quand on creuse, mais non, non, je vais faire. Ouais, la normale est suffisante. Ouais, je pense que c'est clairement suffisant. Tout ce qu'il nous faut. Ah, comme ça on est full. Alors je vais déjà mettre ça. Dommage, le zombie c'était bien joué mais pas assez loin. Donc c'est quoi que je devrais faire? C'est le manche, c'est ça je crois. Nope, pas ça. Ceci qu'on devra faire. Et la croix en bois. Si je fais ça. Celle-là, je crois pas que je l'ai en plus.
si je l'ai pas. Attends, ça, j'en ai plus besoin. Donc je fasse aussi celle-ci. La croix. Petit bateau en opsie. C'est pas un grand. Ok. Bon. Merci incompétent. L'emote pack. Alors c'est celui-là. Oh, faut que je refasse des. Toolhold, c'est ça. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça, même. Alors. Ah, il faut que je le fasse en pierre encore. Tac. Ouais, faut que, en fait, il me faut encore une chier d'or, en fait. Garde le truc de la croix. Pourquoi tu veux que je les garde? Je veux pas les garder, de toute façon, je les mets en. Quand tu dois faire un truc en bois. Faut garder le partenaire de base. Ok. Voilà, ça faut que je l'enlève. Vais mettre ça. Mais pour finir, on avait dit quoi? La croix, je la fais en quoi? Je la fais en bois ou je la laisse ou je la fais dans une autre matière? Faire, t'as pas besoin de couler la croix du coup. Ok, donc je la garde en stone. En bois. Bon. Un raton. Alors attends, si c'est bois, c'est comme ça, non? Mais pas ça. Bon, je l'ai déjà à double, mais c'est pas grave. En bois. Comme ceci. Et je fais ça alors. Ça. Avec ça. Et ça. La durabilité, elle a que 97. Hein. C'est pas énorme, hein. Et j'ai mis le temps de faire celle-là, j'ai 5 de plus de durabilité. Cinq et je sais plus combien c'était en. Je sais même pas combien c'est une axe normale. Axe. Axe. Toi-même, celle-ci,
Elle a 205, elle a 250 de durabilité en fait. Même si je fais une Iron Axe complète. Il en fait ici. Iron Axe. Puis celle-ci, elle a 500 stone et moins bien. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que. Modificateur. Qu'est-ce qui change? Écoute. Magnétique dur. On la fera comme ça, de toute façon, c'est pas pour les 5 coucous que. Mais utilise que un de fer quand tu fais des petites haches. On a notre premier n'a pas regardé hein, si on avait notre pain qui avait été cuit. Complètement oublié. Là, puis on, ce qu'il faut, tu fais ça, hop, on le remet encore une fois à cuire et comme ça, c'est parfait. Ce qu'on va juste faire, c'est, je vais juste prendre ceci, je vais juste descendre un petit coup. Juste récupérer un peu de la stone que j'aimerais faire cuire. Le portail là de pour aller miner si jamais j'ai besoin. J'ai déjà commencé à le faire gentiment. 26, ça suffira. Aroma. Merde, il manque le. Je vais me faire à chaque fois avoir. C'est quoi ça? Bon, ça, stone et stone brick. Bon, on a juste déjà fait le briquet, puis c'est bon. Tu vas arrêter ton live à quelle heure? D'ailleurs, il commence à être un peu tard. J'arrête dans 13 minutes, exactement. J'arrêterai à minuit. Je vais pas. Demain, j'ai des trucs aussi à faire, donc. Je vais pas pouvoir faire très très tard, mais ouais, je finis à minuit. Mais demain, si tout va bien, demain après-midi, je relive. Si j'ai pas trop de trucs à faire, je garantis rien, mais normalement, j'essaie de faire vendredi et samedi du live. Donc voilà. Attends, je vais faire la stone pickaxe. Celle-là, on l'aura déjà. Hop. Ah, le pain, ça fait quoi? 3. Et là. Ah, ça donne un petit peu moins de jambon, mais par contre, ça donne plus de. En général, c'est le vendredi. Normalement, le vendredi soir. C'est presque sûr à 100% et le samedi, j'essaye normalement. C'est juste que là, ben, je suis juste dans des périodes de test avec l'école.
Or, c'est selon ce que j'aurai réussi à faire comme avance demain matin comme devoir, je ferai un petit stream. Mais sûrement que je ferai un petit stream, même si c'est 1 heure, c'est pas 1, 2 heures, c'est pas grave. Mais j'essaye normalement le vendredi, samedi. Le reste de la semaine, c'est juste pas possible. En fait, c'est mon petit bonheur du vendredi, samedi, de pouvoir faire les choses tranquillou. Ah ouais, non, mais moi non plus. Hein. Moi, c'est vraiment pour me faire kiffer. Hein. Alors, il y a juste le bâton du bas que je devais faire. Hop, là j'en ai un là. Tac, c'est tac. Il est où mon Flint and Steel là? Bien sûr, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que je devais faire ceci, 8. Comme ceci. Et j'en fais que 1. Hop, pas faire la bêtise que j'ai fait la dernière fois. Je prends le train demain, je vais essayer de passer. De passer si j'y suis. Si je ne suis pas dans le train. Ouais, mais il n'y a pas de souci, hein. Au plaisir de te revoir une prochaine fois. Hop, bah je crois que j'ai le portail qui est créé. Normalement, je crois que j'ai assez. Mais voilà. Bon. En fait, je crois qu'on va arrêter avec. Je vais arrêter là, en fait. Je ferai le portail demain, tranquillou, comme ça. En tout cas, on aura déjà fait pas mal d'avance, je suis content. On a fait déjà la première partie de la base. Je vais mettre des vitres hein, pour faire le truc de la montée. Puis après, on fera tout en haut. On fera tout. Je déplacerai aussi le truc de Tinker et tout. Comme ça, ce sera un peu plus cool. Bon, moi, je crois que je vais rester là. En tout cas, c'était vachement sympa, Fireboss, de ta petite participation là. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté lors du live. Je te remercie infiniment et puis à une prochaine et puis sûrement à demain. Bon, les amis, on va se laisser là pour ce soir. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir participé et oui, je vais réussir à me souvenir comment faire la hache. T'inquiète, je sauvegarde. Normalement, je sauvegarde toujours les conversations dans un fichier texte et jamais pour me rappeler un peu des choses. Ne t'inquiète pas. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé. Pour ceux qui sont sur la rediff de YouTube, je vous remercie. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao! Et ciao 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 pour ceux qui sont sur le live.